Il ne répond pas à mes messages et je me demande pourquoi. Bonjour, bienvenue à tous ces amis, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, cet homme, vous le voyez connecté sur les réseaux Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, tous les réseaux et il ne vous répond pas et vous vous demandez pourquoi. Tout simplement parce que vous êtes acquise à ses yeux, il pense que quoi qu'il fasse, le jour où il reviendra, vous serez toujours là pour lui et vous serez toujours accro à lui. Mais aujourd'hui, plutôt que de vouloir lui courir derrière, on va lui montrer ce qu'il perd. Et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu et un petit message. Et merci à vous tous d'être abonnés. Merci à vous de faire grandir cette chaîne. Merci à vous d'être là et de me permettre de faire plus en plus de vidéos. Cet homme vous prend pour acquise et on va changer ça. Tout simplement qu'aujourd'hui, plutôt que de lui écrire et de faire constamment le premier pas, il va falloir prendre conscience qu'aujourd'hui, vous n'allez plus lui écrire. Vous allez le forcer à faire le premier pas, à venir vers vous pour qu'il s'investisse dans la relation. Et ça, c'est très important, croyez-moi. Plutôt que de lui laisser croire que vous êtes à sa disposition, que quoi qu'il fasse, vous serez là et qu'il peut vous garder sous le coude, on va changer les choses. Et ça commence par prendre votre vie en main en prenant vraiment conscience de votre valeur. Vous devez aujourd'hui faire une nouvelle activité que vous n'avez jamais faite pour le surprendre pardon, et lui montrer ce qu'il perd. Si vous n'avez jamais fait d'activité sportive, eh bien vous allez vous inscrire dans une salle et faire une activité sportive quotidienne. Vous allez faire des soirées avec vos amis, essayer de nouvelles activités que vous avez toujours rêvé de faire, telles que du karting, du paintball, des randonnées, peu importe ce qui vous plaît, même des voyages, pour lui montrer que vous n'êtes pas à sa disposition et surtout pas acquis à ses yeux. S'il veut vous avoir dans sa vie, il va falloir qu'il se batte et qu'il vous séduise. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de toujours lui apporter de l'intérêt, vous allez cesser de lui écrire. Vous allez vous concentrer sur vous, voir vos amis, faire de nouvelles activités, sortir, prendre soin de vous. C'est important d'aller chez le coiffeur, d'aller prendre vraiment du temps quotidiennement pour vous, pour votre vie. Parce qu'avoir une vie sociale, avoir une vie professionnelle, une vie familiale et même une vie sentimentale épanouissante, c'est important. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous souffrez de la situation, où vous écrivez des messages à cet homme et il ne vous répond pas, il vous ignore et ça vous énerve et je vous comprends. Aujourd'hui, plutôt que de le harceler, de lui écrire encore et encore et lui demander pourquoi, de toute façon, vous n'aurez jamais de réponse, eh bien, on va arrêter de lui écrire. N'ayez pas peur, vous n'allez pas le perdre. Croyez-moi, ça n'est pas en lui écrivant, en le harcelant de messages que vous allez le faire revenir. Plutôt que de continuer comme ça, on va arrêter de lui écrire et vivre une vie épanouissante qui l'inspire. Dans le sens où votre vie doit être tellement inspirante, voir de nouvelles personnes, essayer de nouveaux lieux, de nouveaux bars, de nouveaux restaurants, faire de nouvelles activités, karting, sport, toutes ces activités permettent en fait d'avoir une vie enrichissante et il se dira, ouf, elle rencontre du monde, susceptible de rencontrer un nouvel homme et ça, croyez-moi, il va avoir peur de vous perdre et fit ça, monsieur va revenir vers vous, s'intéresser à vous, mais quand il revient, on va surtout ne pas changer votre comportement. S'il revient, vous n'allez pas laisser votre vie de côté, vous n'allez pas oublier toutes les activités que vous faites actuellement. Parce que si vous reprenez vos vieilles habitudes, eh bien cet homme reprendra ce comportement que vous détestez, ne plus vous répondre, vous ignorer, être distant, et ça, on n'en veut pas. Alors croyez-moi, aujourd'hui, si un homme veut revenir, il faut que votre vie soit inspirante, que vous lui donniez envie de partager votre vie avec lui, mais surtout, au lieu de vouloir être la femme qu'il désire, soyez vous-même. Montrez-vous telle que vous êtes. Montrez la femme extraordinaire. Faites-lui découvrir la personnalité que vous avez. Faites-lui découvrir toutes les facettes de la personne que vous êtes. Et cette personne, croyez-moi, elle est extraordinaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à un maximum de personnes. À la prochaine, les amis.